Bonjour, je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler brièvement du langage de lumière, du light language en anglais, parce que j'ai beaucoup de clients qui me posent des questions sur qu'est-ce que c'est que ce langage de lumière, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut m'apporter concrètement dans ma vie. Alors le langage de lumière, ce sont des vibrations de guérison qui sont canalisées, donc qui bypassent complètement votre mental. Le conscient ne comprend rien à ce qui se passe, pour aller travailler sur d'autres plans, pour aller vous aider à libérer, nettoyer des mémoires, que ce soit des mémoires de votre propre vie, ou des mémoires héritées de vos ancêtres, des mémoires de l'inconscient collectif, de vos vies antérieures, slash parallèle. Donc ça libère tout ça, ces mémoires... qui n'ont plus lieu d'être en fait à l'intérieur de vous. Ça libère des croyances limitantes, des nœuds émotionnels, des schémas répétitifs, donc tout ce qui vous aide plus en fait, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Ça va pouvoir aussi travailler au niveau de vos chakras, donc sur le plan énergétique pour aller équilibrer, harmoniser les énergies à ce niveau-là. Et ça va pouvoir aussi vous reconnecter à certaines capacités, certains dons, certains talents, soit que vous aviez mis au placard, soit que vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et de nouveau dans cette dynamique d'aller petit à petit vous reconnecter à qui vous êtes, vraiment au fond, et d'oser vraiment être pleinement vous-même. Concrètement, par rapport à une situation donnée, ça va vous permettre de vivre beaucoup plus de distance, beaucoup plus de prise de recul. Vous allez être plus apaisé, plus serein, plus détaché, avec plus de clarté aussi par rapport à ce qui se joue pour vous. Ça va aussi vous permettre une mise en action comme un déclic, comme s'il y avait quelque chose qui reconnectait à l'intérieur de vous pour aller pouvoir oser être vous, oser vous positionner, oser vous exprimer, oser dire votre vérité. Voilà, tout ça qui fait que vous osez prendre votre place et contribuer pleinement à ce monde. Du coup, comment ça fonctionne? Comme je vous ai dit, ce sont des vibrations, des sons qui sont canalisés. Donc c'est pas comme une langue, comme le français ou l'anglais qu'on pourrait apprendre. C'est pas du tout, ça se passe pas du tout au niveau mental en fait. Ça, c'est un langage qui va aller parler directement à votre cœur, à votre âme, à votre inconscient, à ces plans plus subtils. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'y croire. Il n'y a pas besoin justement de comprendre. Il y a juste besoin d'être en réception en fait, d'être connecté à soi, connecté à son cœur et de faire confiance que ce qui va être reçu est le plus juste pour vous à ce moment donné de votre vie. Alors comment moi je m'y suis reconnectée? Je faisais une méditation et puis à un moment donné, c'est une américaine qui à un moment donné commence à parler une autre langue qui clairement ne venait pas de ce monde-là. Et au moment où elle a commencé à dire ces sons-là, moi il y a un truc qui est monté et il y a mes propres sons, propres vibrations qui sont venues. Et c'est comme ça que ça m'a reconnecté à cette capacité de canalisation. Au début je l'utilisais pour moi et puis petit à petit je l'ai introduit dans mes séances avec mes clients, donc mes séances de coaching et d'hypnose. Et puis maintenant ça fait partie intégrante de mon accompagnement parce que ça me vient de manière très instinctive. Alors bien sûr je le propose aux personnes qui sont ouvertes, qui souhaitent faire cette expérience-là de quelque chose d'un peu différent. Et ça peut se vivre en présentiel au cabinet, mais aussi par téléphone ou par visioconférence. Le plus important, c'est de pouvoir en fait entendre les sons, être connecté en fait à ces sons-là. Et avec ce langage de lumière, on va pouvoir accompagner des adultes, mais aussi des enfants. Et je dirais même au-delà de ça, on peut accompagner en fait tout ce qui vibre, tout ce qui est vivant. Donc je peux accompagner des animaux, des plantes, des minéraux, enfin tout ce qui est susceptible, tout ce qui vibre, tout ce qui est susceptible d'être impacté par des sons, par des sonorités. Voilà. Et si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, je vous propose de me contacter par mail et je serai ravie de vous en dire plus si vous avez des questions ou de vous accompagner dans ce cheminement-là avec ce merveilleux outil. Voilà, je vous souhaite une belle journée, bye!